L'utilisation du navigateur de force est un moyen très rapide pour commencer à construire votre morceau. Je vais ajouter une piste et lui assigner une piste audio. Je vais double-cliquer sur la matrice pour ajouter un clip et je vais entrer dans le navigateur en appuyant sur le bouton Load. C'est ici que vous trouverez tous les clips audio, les clips MIDI et les kits intégrés ainsi que tout le contenu que vous avez ajouté. Pour ma part, je vais chercher une grosse caisse parce que je veux commencer la piste avec une base solide. Quand j'en trouve une qui me plaît, j'appuie sur Load et elle est déjà chargée dans ce clip. Ajoutons une autre piste pour ajouter des percussions. Cette fois, j'ai choisi une piste de batterie. J'ajoute simplement un clip et je vais aller dans le navigateur. Ma grosse caisse était dans le genre Deep House. Pour trouver les kits, je vais faire une recherche avec Deep. Et je devrais donc retrouver beaucoup de kits Deep House. Pour choisir celui qui me plaît, je vais sélectionner celui-ci et le charger. Je vais commencer à programmer ce rythme en utilisant le mode Step Sequence. Maintenant, je vais ajouter une autre piste et sélectionner un clip audio. Cette fois-ci, je vais chercher une ligne de basse pour accompagner tout ça. Je vais ajouter une autre piste qui sera une piste de batterie. Je vais ajouter quelques mélodies en appuyant sur Load. Je retourne au kit pour en choisir un autre. Je vais passer en mode Launch et ajouter une autre piste. Je vais chercher la bonne boucle. Essayons celle-ci.